c'est une superbe opportunité. 4000 m² en plein cœur de Lyon, avec une réhabilitation qui est magnifique. Et donc l'idée de ce nouveau mandat, c'est d'amener une nouvelle étape dans ce projet. Et donc une nouvelle étape qui soit connectée aussi aux enjeux de notre temps, la résilience au climat, les crises sanitaires qui ont mis en évidence que l'alimentation était au cœur de nos préoccupations dès le moment où il y en avait une période de crise. Donc cette cité de la gastronomie, elle doit aussi devenir la cité de l'alimentation, de l'accessibilité alimentaire. L'alimentation, moi je dis toujours, il y a la fameuse pyramide de Maslow, on alimente, on survit, mais finalement on agit sur autre chose, c'est la santé en fait des individus. Et à travers l'alimentation, à travers l'assiette qu'on consomme tous les jours, on va avoir une action très forte sur la santé, et en particulier à destination des personnes qui ont déjà des problèmes de santé, vous l'avez cité, le diabète, les problèmes qui sont liés aux différents modes de consommation qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui va changer par rapport à la version V1 de cette cité de la gastronomie? Un grand changement, c'est que c'est plus un musée. En fait, on arrête le côté muséal et on l'installe dans la vie, en fait, dans la vie des habitants. Donc ça veut dire, un, on la remet au service des habitants. Les habitants, et on l'a fait à l'automne dernier, gratuitement, les gens peuvent avoir accès, ce qui n'était pas le cas auparavant, accéder gratuitement à la cité internationale, et on a eu plus de 7000 visiteurs à l'automne. On ouvre depuis le mois de juin tous les premiers dimanches de chaque mois, ouverture gratuite pour le public, qui a permis déjà d'avoir 1500 personnes, 1500 curieux qui sont venus à la cité. Ça, c'est le premier point. Et puis, on la redonne aussi aux acteurs de la filière alimentaire. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ce projet, il se construit avec ces acteurs. Et demain, on aura des propositions à la fois de promotion des savoir-faire, des terroirs, des produits, avec les acteurs de l'alimentation et de la production même agricole, du champ jusqu'à l'assiette. On a également un lieu qui permettra aux professionnels de proposer aussi un cycle de conférences, des cycles de séminaires, des événements, en particulier un premier qui aura lieu le 10 septembre prochain, l'événement Good, en partenariat avec Le Progrès et le groupe Suez, où on va aborder qu'est-ce que c'est que l'alimentation durable aujourd'hui. Et bien, ce lieu de la Cité internationale, il doit devenir quelque part un lieu totem où on vient parler de gastronomie, mais on vient parler d'alimentation durable. Et puis, il n'y a pas de hasard, hein. Les partenaires sont fédérés sous ce que vous appelez le comité Rabelais. Rabelais, d'ailleurs, comme notre télé. C'est exactement ça. Et effectivement, l'aventure, elle se veut collective. Et c'est peut-être aussi un contrepoint par rapport au précédent projet. Elle se veut collective et donc elle implique les acteurs. Elle les implique dans la gouvernance même du projet. Ça veut dire que ce comité Rabelais, composé de 15 femmes et 15 hommes, aussi une parité qu'on souhaitait, va aborder la programmation de ce lieu. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on va décider ce qu'on veut proposer à la population dans ce lieu. Donc c'est 15 femmes, 15 hommes, issus d'univers totalement différents, entre des gens qui viennent de l'agriculture, des gens qui sont spécialistes de la recherche en nutrition, des gens qui sont spécialistes de l'accessibilité alimentaire et de la précarité alimentaire, des gens qui sont des chefs renommés, et Régis Marcon, notre premier grand ambassadeur de la Cité internationale de la gastronomie, a fait plaisir de faire partie de ce comité Rabelais, et c'est une vraie chance pour nous aujourd'hui. Oui. Les chefs renommés, hein, il y avait Christian Tête-d'Oie, dès la semaine prochaine, exactement, va, avec son entité de formation, va squatter, entre guillemets, les lieux pour éduquer et pour enseigner la cuisine à ses élèves. Alors, squatter, je dirais, il est super accueilli ici, hein, c'est-à-dire d'arriver à proposer à des élèves aussi que ce lieu devienne un lieu de formation à destination des personnes qui souhaitent travailler l'alimentation. Donc, Christian Tête-d'Oie inaugure quelque part cette fonction de la Cité internationale de la gastronomie, et on souhaite la prolonger après avec la formation, en particulier de personnes qui sont devant des enfants, des étudiants, des collégiens, des groupes scolaires qui sont tous les jours à produire les assiettes de nos enfants. Et donc comment on continue à les former, à leur amener tout ce qu'il faut pour que les qualités des assiettes des enfants soient au rendez-vous. Et donc on a un grand, quelque part, responsabilité à travers cette cité aussi d'améliorer la nourriture dans les assiettes de nos enfants. Jérémy Camus, le mot de la fin, mais vous savez, à Lyon, fin, c'est écrit FIM. Hein. Oui, ben là, je pense qu'on pourrait l'écrire comme ça. Je suis d'accord. Et le mot de la fin, c'est dire que cette cité internationale, en fait, elle se veut vivante demain. Elle se veut amener un maximum de propositions et elle se veut accueillante, hospitalière pour tous les habitants de la métropole. Donc, rendez-vous à la Cité internationale de la gastronomie. Ouais. Peut-on dire également vivante et gourmande? Et là, c'est clair que j'ai oublié le mot gourmand, mais effectivement, j'espère qu'elle sera très gourmande pour ceux qui viendront à notre rencontre.